Bonjour à tous, ici Azarad. Vidéo particulière aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Ecovox. C'est une application de TCI, transcommunication instrumentale, hein, que des chasseurs de fantômes peuvent utiliser. Je vais vous expliquer son fonctionnement avant de commencer, parce que ça peut vous paraître un peu barbare, compliqué. Avoir l'écran de l'application en question. Donc ça émet des sons totalement aléatoires. Il y a deux bandes de sons, je n'utilise que la bande B principalement, parce que la bande A j'ai jamais eu de résultat avec. Donc cette bande de sons est divisée en quatre sous-bandes qui ont des vitesses différentes. En fait il va y avoir un son qui va sortir à intervalles réguliers et on peut régler la vitesse sur les quatre différentes. Et ça fonctionne un peu comme une ghost box et un ovilus en même temps. Donc la ghost box c'est la radio qui change de fréquence tout le temps. On peut entendre des phrases ou des mots entre deux stations ou entre plusieurs stations. Et l'ovilus c'est un objet qui contient des mots ou des sons phonétiques, un peu comme Ecovox justement. Et les entités entre guillemets pourraient choisir les sons qu'ils veulent sortir. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Ça fonctionne sur le bruit, le son en lui-même, un peu comme la Ghostbox et un peu comme l'Ovilus, car les entités choisiraient des sons à sortir pour donner des mots ou des phrases. Voilà. Donc je vous écris ce que moi j'entends, ce que j'interprète en tout cas, entre mes questions. Après, est-ce que c'est une mauvaise interprétation ou est-ce que il y a d'autres choses que je n'ai pas entendues, etc. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. C'est fait pour ça. En tout cas, voilà, c'est mon interprétation. Il y a de fortes chances que j'ai mal interprété des choses ou que j'entends des choses qui n'existent pas, c'est possible. Car ça va très vite. Je vais regarder à l'analyse en montage parce que là je tourne l'intro, cette introduction je la tourne avant de faire le montage de la vidéo. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires après cette vidéo si vous avez des choses à me faire parvenir. Voilà, bonne vidéo à tous et à tout de suite. C'est parti. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Wow. Alors j'ai cru entendre des mots, mais je n'ai pas très bien compris. Bonjour. Non. Je vais mettre l'écho. Non, l'écho ne marche pas, je suis désolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? J'ai entendu un oui. Est-ce que vous êtes près de moi? Où êtes-vous dans la pièce? Non. J'ai entendu c'est moi. Vous vous appelez comment? Prenez votre temps, essayez de vous concentrer.
Est-ce que vous pouvez me donner une méthode plus efficace pour communiquer avec vous? Est-ce que vous pouvez me donner un... Je sais que vous y arrivez mieux avec les cours. S'il y a des esprits ici, n'hésitez pas à essayer de parler. Essayez de donner votre maximum. Essayez de faire ce que vous pouvez. Ça sera enregistré, ça sera mis sur le net. Des gens vont le voir. Si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je tiens dans la main gauche? C'est une cuillère. Est-ce que vous pouvez me dire cuillère? Est-ce que vous pouvez répéter le mot cuillère, s'il vous plaît? Voilà. Je vais analyser le son un peu plus tard, une fois que j'aurai terminé l'enregistrement. Pour l'instant, je vais changer de banque sonore. Pour l'instant, vous utilisiez des sons d'une certaine bande sonore. Je vais changer cette bande sonore. Ça va être des sons beaucoup plus nets, avec une intonation très anglaise, mais plus nette, avec moins de bruit blanc. On va voir ce que ça donne. Essayez de faire votre maximum. Et essayez de me dire toujours ce que je tiens dans la main gauche. C'est une cuillère. Essayez de me dire le nom de cet objet. C'est parti. J'ai cru entendre... J'ai cru entendre le mot cuillère plusieurs fois, mais découpé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Y a-t-il un esprit ici qui voudrait communiquer? Yeah.
Vous vous appelez comment? Quel est votre nom? Alors personnellement, je n'ai presque jamais eu de résultat avec la banque A. J'en ai eu un seul hier. J'avais entendu un tu m'entends très clair, mais vraiment très très clair. Mais c'est tout. Alors qu'avec la banque B, j'ai déjà eu beaucoup de résultats pour l'instant, dont des phrases complètes, extrêmement claires, comme si quelqu'un était au téléphone. Je vais retourner sur la banque B. C'est à vous. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis seul ici ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien. Est-ce que vous sauriez dire mon nom grâce à cette machine? J'ai entendu oui, donne-moi. Oui, je vous entends. Est-ce que vous allez bien? Je vous entends, j'entends des mots. Là, j'ai des gros frissons. Est-ce que c'est votre présence que je ressens? N'hésitez pas à me parler. Grâce à... Non.
Voilà. Alors, je sens qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu des mots. Beaucoup de tu m'entends, tu m'entends. Alors, je sais pas si vous m'entendez, si je suis obligé d'activer l'écho. Parce qu'en fait, j'explique ça pour ceux qui vont voir. Quand j'active l'écho, il y a l'entrée micro qui s'allume. Et ma voix est transmise au logiciel. Et le logiciel ressort le bruit blanc et les voix, plus ma voix incorporée à la bande sonore. Donc, est-ce que ça les aide à m'entendre? J'en en ai aucune stricte idée. En tout cas, voilà. J'ai déjà eu bons résultats, des très bons résultats, même en activant l'écho, alors qu'avant je n'avais rien du tout. Là, malheureusement, l'écho ne fonctionne pas car je suis sur ordinateur avec l'émulateur Android et le Echovox n'aime pas trop ça. Donc, on va voir, on va continuer. Je vais relancer. N'hésitez pas à me parler. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous entends. Oui, c'est moi, c'est Adrien. Je vous ai entendu. Quel est votre nom? Alors, entendre les prénoms, c'est un peu plus compliqué par contre. On va refaire le test de la cuillère. Je suis désolé hein, si ça peut être rébarbatif. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je tiens dans la main gauche? C'est une cuillère. Est-ce que vous pouvez dire le mot cuillère? Essayez de le répéter plusieurs fois. Cuillère, cuillère, cuillère. Essayez. Alors j'entends beaucoup de fois le mot écho, mais je suis désolé, je ne peux pas l'activer. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes toujours là? From.
train. Oui. Alors attendez, je vais essayer de... Ah, ça veut pas fonctionner. Ça veut pas fonctionner. Je vais faire une petite pause dans le logiciel histoire de réparer ce souci d'écho et je reviens tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, la vidéo s'achève ici. Alors j'ai dit que j'allais régler ce problème d'écho et recommencer. C'est ce que j'ai fait. Ma chérie est revenue entre temps et soudainement quasiment pas eu de résultats, très peu de choses. Et là, après le montage, car je tourne l'outro après le montage, je me suis rendu compte que je suis passé à côté d'énormément de trucs. Alors, est-ce que c'est de l'interprétation ou est-ce que c'est autre chose? Ça, à vous de me le dire si vous avez d'autres interprétations. En tout cas, voilà, je suis vraiment passé à côté de beaucoup de choses. Il y a même des mots qui arrivent en même temps. Donc c'est hyper compliqué à gérer. En tout cas, voilà. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je refasse d'autres séances enregistrées, ça sera avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.